Bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui, dans cet épisode 15, l'équipe Elistar et moi-même, nous vous proposons de découvrir ensemble l'histoire de l'église d'Incarville. Située dans le département de l'Eure en Haute-Normandie, l'église Saint-Pierre a subi de nombreux remaniements de construction entre le XVIe et le XVIIe siècle, ce qui supposerait qu'elle aurait été détruite à de nombreuses reprises. En effet, l'ancien clocher situé à l'extrémité est de la nef a été remplacé entre 1868 et 1875 par un clocher-porche. De nombreux travaux de restauration ont également eu lieu à la même époque sous la direction de l'abbaye de Fécamp. Mais c'est surtout le presbytère de l'église qui a subi une importante rénovation depuis sa destruction par un terrible orage et une grêle effroyable le 9 juillet 1824, ravageant par la même occasion plusieurs habitations du village. Toutes les toitures, faites pour la plupart d'entre elles en tuiles et ou en ardoise, ont donc été réduites en miettes, et il faudra attendre pour le presbytère de nombreuses années de combats menés par l'abbé Georges de Moret pour que les travaux de reconstruction soient acceptés. Ce n'est qu'à partir de 1836 qu'un nouveau bâtiment fut édifié et occupé jusqu'en 1983, suite au départ du dernier occupant en date résident d'Incarville, le curé Jean-François Bergenot. Alors vous allez vous demander, mais que fait une telle église dans notre émission Chronique Paranormale? Eh bien, figurez-vous que jusqu'ici, rien ne paraît désigner le village d'Incarville, notamment son église, comme source d'antise, si on s'en suit à ce que je vous ai décrit plus haut dans la fameuse histoire. Pourtant, cette église, elle est bel et bien reconnue comme étant hantée par l'esprit bienveillant d'un ancien curé de la paroisse, l'abbé de la Mare. En effet, son corps serait enterré dans le cœur même de son église. Cet homme était tellement amoureux du village et de ses environs qu'il se murmurerait, selon certaines sources, que l'abbé viendrait les soirs respirer l'air de l'église et que l'on entendrait au loin son souffle. Malheureusement, je n'ai trouvé que très peu d'éléments sur ce lieu qui pourraient confirmer ou affirmer qu'il est bel et bien hanté par l'esprit de l'abbé de la Mare. Alors, est-ce que c'est une volonté du village de ne pas vouloir troubler le repos de ce dernier? Malheureusement, je ne détiens pas la réponse à cette question. Aussi, j'invite aux personnes intéressées par ce lieu d'aller directement sur place pour se faire leur propre opinion, ainsi qu'aux différents chasseurs de fantômes à obtenir, si cela est possible, une autorisation de mener une enquête de nuit afin d'avoir des réponses à ces questions. Je pense que la plupart des habitants de ce village voudraient très certainement savoir si leur église est toujours sous la protection de l'esprit de l'abbé de la Mare. Bien sûr, là, ce que je vous avance, ce n'est que ma théorie personnelle, mon avis sur le sujet. Et c'est donc sur ces paroles que je vais boucler cet épisode 15 en vous souhaitant une très bonne soirée. À très bientôt.